Et yo les amis, c'est Baïkul. Alors aujourd'hui, présentation d'un film culte, mais vraiment, alors à un niveau là, celui-là, il est à posséder dans votre collection et à visionner, visionnez-le, mais plus une fois, franchement, celui-là, c'est un chef-d'œuvre international. Dans une magnifique édition 4K, donc Ultra HD, édition ici que je possède en 4K Blu-ray plus digital. Je te retrouve juste après le générique pour la présentation de ce film ultra culte. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Nom de Dieu. Et re les amis, donc aujourd'hui, présentation d'un film de Steven Spielberg. Basé malheureusement sur des faits réels, il s'agit de la liste de Schindler. Franchement, ce film, une tuerie. Je vais pas trop exposer le film parce que bon, tu sais bien sur YouTube et tout, il y a certains mots qui peuvent choquer un petit peu l'IA, enfin, l'IA. L'algorithme YouTube, hein, l'algorithme de YouTube, bon, ouais, voilà, quoi. Il n'aime pas trop les faits historiques, hein, surtout, bah, surtout ceux-là. Alors à l'intérieur, on découvre déjà un petit fascicule, car on a la copie digitale. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la copie digitale, testez-le. Enfin, testez, hein, vous allez voir. Vous allez tester. Voilà, je vous donne le code. Si ma webcam veut bien faire le focus. Oui, non, un jour peut-être. Voilà. Vous suivez les instructions, et si vous le voulez en version digitale, ben, faites-vous plaisir. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Voilà, moi ici, ce que je vais juste garder, c'est... Donc le restant du fascicule ici, on a des petites infos, voilà, ici, et ici on a des infos sur les bonus et tout ça. Donc ça, le petit fascicule, on va le garder précieusement. Alors ici, donc comme je te l'ai dit, il s'agit donc de la version 4K Ultra HD, regardez-moi, avec une petite scénographie, mais vraiment magnifique, la petite fille en rouge, hein. Et on a un double Blu-ray ici. Donc on a le film en Blu-ray également, plus un Blu-ray bonus qui est juste ici. Au niveau des specs, alors ici, est-ce que j'arriverai à lire? Non, c'est trop petit, encore une fois. Comme d'habitude, hein, c'est vachement trop petit. Pourtant là, c'est du... Les écritures sont en noir sur fond blanc, donc on devrait lire un peu mieux, mais c'est tellement écrit petit qu'on voit rien du tout. Comme d'hab, le téléphone ne fait pas le focus aussi, comme d'habitude. Alors, c'est du format 1.85. Pour le Blu-ray et le 4K. Et au niveau donc des specs audio, on a du DTS Master HD en 5.1 pour l'anglais et le français. Et on a aussi du Dolby Digital 2.0. Ça, à mon avis, ça doit être pour le Blu-ray, je pense, parce que là, c'est pas spécifié si c'est pour le Blu-ray ou. Alors, définition, donc 2160p, ouais, ça c'est le 4K, 2080p c'est le Blu-ray. Alors il y a un autre qui est en 480p, donc ça à mon avis ça doit être le Blu-ray qui contient les bonus. Donc ici on aura donc de l'anglais Dolby Digital en 2.0 pour les bonus. Je regarde ce qu'on a d'autre vite fait. Ah ben les bonus, je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a dessus, c'est tout en anglais. Bon, il parle de Immersive Audio, il est compatible HDR. Bon, j'essaie de déchiffrer à peu près ce que je peux en anglais, mais bon, vous connaissez mon anglais. Hein. Donc c'est une version donc 25e anniversaire, comme je te l'avais dit, me semble, que je l'avais précisé. Mais malheureusement, les bonus, il y a blindé, enfin il y a blindé bonus quand même dessus. Mais c'est tout marqué en anglais. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Si ça veut bien faire le focus ou pas. Est-ce que ça fait le focus? Non? Oui. Décidément, ces webcams, elles ont du mal. Bon, bah, je suis désolé pour les bonus, hein. Bon, il y a quand même pas mal de bonus, hein. Donc apparemment il y a des bonus 4K, il y a 2-3 trucs en bonus sur le 4K, et tout le restant c'est sur le Blu-ray, donc le deuxième Blu-ray, donc le Blu-ray bonus, il y a vraiment une 1, 2, 3, 4,
Ouais, il y a 4-5 points où c'est marqué des bonus, mais c'est tout en anglais malheureusement. Donc, film bah, ultra culte, hein, celui-là, franchement, on ne présente plus, hein, qui malheureusement est malheureusement tiré sur des faits réels. Je dis malheureusement parce que bon, ça fait quand même partie de la guerre de 45 et tout ça, donc c'est pas des faits qu'on a envie de se remémorer tout le temps, hein, tu vois. Hein, tout ce qui est la guerre et tout ça, c'est pas un truc que c'est franchement pas ma tasse de thé, mais il faut dire quand même que ce film-là, Spielberg a su sublimer l'histoire d'une manière très importante. Et c'est un film qui est quand même à montrer au moins une fois aux jeunes générations, je trouve, pour ne pas oublier bah, tout ce qui s'est passé, parce que malheureusement, vu l'actualité, bah, on replonge malheureusement dans cette actualité très souvent. Voilà, ce qui se passe en Ukraine et dans d'autres pays, c'est un peu, moi je trouve ça malheureux qu'en 2024 on a encore des guerres comme ça. Et voilà les amis, donc présentation donc de ce film magistral, cultissime, et comme tu vois, je mets tout, mais vraiment tout en protection. Voilà, comme ça protège un petit peu des chutes, ouais, une mauvaise manipulation, la marée tombe, tu pètes la boîte et tout, alors que là-dedans, bah, c'est bien protégé. Donc je sais qu'il y en a certains qui trouvent ça un peu débile de mettre des amarrés en protection. Mais bon, ici je les ai à peu près 1 euro, donc 1,10 €. Alors je préfère quand même protéger vraiment les boîtes et tout. De la poussière, des griffures et tout. Voilà. Même si on trouve des boîtes 4K maintenant quasiment pour rien, ça évite des achats un peu inutiles. Alors que ces boîtes-là, elles me servent principalement pour ça et aussi pour mes jeux PS3. Donc j'en commande une trentaine à la fois. Et puis bon, j'achète pas non plus des films 50 films par an non plus. Enfin, quoique. Quoique, vu les petites affaires que je fais sur Vinted et maintenant bientôt, bah, beaucoup de commandes aussi chez CD Story. Je pense que je vais commander directement un conteneur complet de boîte de protection. Donc voilà les amis. Donc ce magnifique film remis en 4K. Celui-là, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu la restauration du film. Parce que je l'avais vu à l'époque chez un pote. Parce que lui, il avait la. Je crois qu'il a toujours. Il avait le collector qui était sorti en DVD. Un magnifique collector aussi. D'ailleurs, celui-là, je vais essayer de me le rechoper quand même un petit. Pas de le rechoper parce que ben, je le vois souvent passer à des prix quand même un peu excessifs pour des DVD. Mais c'est un coffret vraiment très intéressant parce qu'on a pas mal. On a des. Comment, un livre avec et tout ça dedans qui explique un petit peu bah, l'histoire de cette liste, hein, de ces fameuses listes, voilà, pour pas rentrer trop dans les détails. Et on a aussi des anecdotes sur le film et ainsi de suite. Voilà, franchement, magnifique film de Spielberg. Là, c'était franchement film culte. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, les potos, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.